Qu'est-ce que vous faites, mon père, là? Je ne fais rien. Je vis. Oui. Je vis avec mes pensées. Ou bien parfois, je tâche simplement de penser que je marche. Parce qu'en fait, ces quelques mètres carrés de ciment, c'est le seul endroit où vous puissiez marcher pendant les mois d'hiver. Pendant 5 mois, c'est ma seule promenade sur du dur. Oui. Alors, je la garde, bien sûr. Je dois la débarrasser de neige. Mais c'est très important. Oui. En 27 ans, il vous est arrivé de vous dire il me manque quelque chose ici. Ici, non. Non. Mais il me manque beaucoup à l'intérieur de moi. Seigneur Jésus, élevé de terre pour attirer à toi tous les hommes, fais resplendir sur nous ton visage, et de tes bras étendus, rassemble pour le Père ses enfants dispersés, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La prière, ça prend une place importante dans vos journées? Eh bien, c'est la prière, la place essentielle qui occupe le plus clair de mon temps. Oui. Finalement, je suis ici d'abord pour ça. C'est-à-dire, attention, la prière, c'est une union à Dieu, c'est ça. C'est une conversation avec Dieu. Alors, il vaudrait peut-être mieux dire, je ne suis pas ici d'abord pour la prière, mais pour rencontrer Dieu. Or, la prière n'est pas le seul temps de cette rencontre, mais un temps fort, j'allais dire, la source de cette rencontre. Oui. Est-ce que vous sauriez donner une définition de l'ermite? Mais je pense que chaque ermite en donnerait une différente. Étymologiquement, ermite vient de eremo, l'expression italienne, latine sans doute d'origine, qui veut dire pas le désert, mais un endroit retiré. Donc l'ermite, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin, est une personne qui se retire à l'écart du monde, du bruit, des préoccupations terrestres pour se retrouver, comme disent les chartreux, seul avec le seul. Si je n'avais pas trouvé ce chalet, je crois que ma vie aurait pris une autre orientation. Et comment vous avez choisi cet endroit? Eh bien, je ne l'ai même pas choisi. C'est-à-dire que ma communauté avait reçu ce chalet en lait d'un couple sans enfant. Et alors, je n'ai pas eu à chercher. Ce chalet était là, à ma disposition. De mes confrères, personne ne s'intéressait à ce chalet, nous n'en avions pas besoin. Et là, il m'est tombé comme ça, comme un cadeau, tombé du ciel.
Et il était là, entièrement à ma disposition. Et le lieu me semble particulièrement favorable à mon projet. Et ce projet ? Eh bien, mon projet était de me retirer, je ne savais pas combien de temps, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 année. Je ne savais pas où j'allais. De me retirer pour... Je n'aimerais pas dire pour trouver Dieu. Je crois qu'on ne le trouve jamais. On ne peut pas dire qu'on a trouvé l'océan. On a trouvé une rive au bord de l'océan. Mais pour me laisser trouver par Dieu, pour vivre plus intensément la vie intérieure. Je la vivais déjà avant, évidemment. Mais je dis bien plus intensément, c'est-à-dire, disons, exclusivement. Il y a aussi la lecture spirituelle, proprement spirituelle, ou bien théologique aussi. Puis alors, après, il y a la marche, l'exercice de ski sur la neige, le déplacement. Et on arrive à la fin de la journée, j'allais presque dire, je ne sais pas comment. C'est peut-être un peu le soir le plus difficile, surtout en hiver. Le soir, c'est un passage creux. Et il faut tâcher de bien le passer. Ça veut dire qu'on connaît aussi l'ennui quand on est ermite ? On connaîtrait l'ennui, oui. Mais voilà, ça c'est un ennemi, un piège. Il ne faut pas se laisser gagner par l'ennui, ou le cafard, ou un découragement, parce que le passé pourrait remonter parfois à la conscience. Et c'est mal fait parce que du passé, on se souvient beaucoup plus le mal que le bien qu'on a fait. Alors c'est désespérant. Bon, je pensais être guéri depuis longtemps de ce piège, mais c'est pas définitif, n'est-ce pas? Alors, c'est ne pas revenir sur le passé. Et je dois le dire parfois à d'autres personnes aussi. C'est passé, on regarde devant soi. Bon, et puis moi, je me dis à moi maintenant, mon parcours est bientôt terminé. Alors, je n'ai plus le temps de regarder derrière. Il faut que je regarde devant moi. Oui, ça c'est un piège. Ce qui est beau, surtout alors pour moi, c'est d'intercéder pour le monde dans la nuit. C'est le monde se repose. Et alors, là, dans le silence de la nuit, il semble que ces ondes bienveillantes qui portent du tabernacle, mais moi, je suis l'antenne, elles ne portent pas de moi. Il faut bien une antenne, hein, que ces ondes se répandent là vers la vallée, et puis plus loin que la vallée, vers le monde. Nous s'est vu un jour après Londres, puis descendait. Nous, on s'est croisés. On s'est dit bonjour. En hiver. Oui, en hiver. Vous reveniez de votre cabane. Oui, oui, c'est juste. Hein? Avec Josiane. Voilà. Comment est-ce qu'il a été accueilli au départ, là, il y a 30 ans maintenant? Il faut dire qu'il est tombé dans un milieu qui était religieux. Le palais était très religieux. C'est des gens très pratiquants. Et la communauté des Capucins était très bien admise dans la région. Et de ce fait, parce qu'il faut aussi dire que les Capucins passaient chaque année, ils faisaient une quête, n'est-ce pas?
faire une quête dans les villages. Donc le Capucin était un personnage qui avait besoin de quelque chose pour nous. Oui. Et dont on allait lui demander beaucoup de choses aussi, au niveau spirituel et tout ça. Alors de ce fait d'avoir le Père Paul qui venait ici, le Paul de la Croix, non, je crois qu'il a été vraiment bien accueilli. Et ça a été même un émerveillement pour les gens de la vallée de dire, voilà, nous avons quelqu'un au fond de la vallée. C'est presque un... Je dirais pas un protecteur, mais quelque chose qui est là, qui nous relie un peu avec celui qu'on a souvent oublié, le bon Dieu. Je tâche d'avoir le moins de contact possible avec la population. Bon, des étrangers qui passent, de toute manière, ça, c'est passager. Mais avec la population, j'évite même le plus possible. Je n'hésite pas à le dire, même devant Bruno. Pourquoi ? J'ai tout avantage à ne pas me montrer, à mener une vie cachée. Et moins j'aurai de contact avec les gens, mieux ce sera. Parce qu'on est tout de même critique. Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? C'est... On pourrait même être méfiant. C'est quand même pas tout à fait normal, cet homme-là, tout seul. Et alors, ou bien alors on est très exigeant. Oh, il boit un bon verre. Oh, on croyait qu'un ermite aurait vécu de racines dans une grotte. C'est pas... Non, ça, j'ai fait suffisamment mes expériences. Moins j'aurai de contact, mieux ce sera. Saint François, qui est notre fondateur, qui est notre modèle, notre chef de file, n'a jamais vécu une année ou même plus en ermitage. Mais il passait peut-être 4-5 mois par année en ermitage, et puis de nouveau, il se retrouvait au milieu des gens, de telle sorte que moi, spontanément, dès le début, je ne me suis pas trouvé la permission de passer toute l'année ici, même si j'en avais la possibilité. Et alors, en été, j'ai toujours repris le ministère. 2 mois, 3 mois, autrefois un peu plus, maintenant de moins en moins, oui. Bien ici, je suis heureux. Et je me suis toujours dit que si ma vie en solitude était authentique, je devais pouvoir vivre cette vie ici aussi authentiquement. Pour moi, c'est presque un test. Est-ce que ma vie ici est vraie ? Et si elle est vraie, si elle est bonne, si je l'accepte de bon cœur, c'est que mon appel à la vie solitaire est vrai aussi. Est-ce que vos confrères sont curieux de connaître les anecdotes, le parcours de vos 10 mois passés là-haut chaque année ? Est-ce que ça suscite de la curiosité de la part de vos confrères ? Aucune. il faut dire la vérité. Moi, je ne parle pas. C'est peut-être ma faute. Ce serait à moi à m'exprimer. Mais je ne dis rien, parce que j'estime que cette vie, elle gagne à être secrète, discrète, cachée. On s'imagine, on voit ce chalet où il est, sur la montagne, on connaît un peu le Père Paul de la Croix, par les années passées, quand il était parmi nous, tout ça. Il aime la montagne, il aime la marche, tout ça. Ça nous suffit, au fond. Comment vous voyez son alternance entre 2 mois ici l'été et puis 10 mois là-haut en solitude. La fois qu'il est dans sa solitude, on ne le connaît pas. Nous, on le connaît quand il descend, quand il revient au milieu de nous. Et puis, bon, il est resté le même. Il a toujours, bien sûr, il a vieilli. Mais il est resté le même, il a gardé ses façons de parler, d'approcher les choses.
Ah ouais, il est resté très... Très ouvert. Très ouvert, et puis très, très affable, très aimable. Mais la décision, puisque vous, vous étiez là quand il a pris cette décision, comment est-ce que ça a été interprété parmi les autres frères? Il m'a dit qu'il y avait eu pas mal de difficultés, d'incrédulité, notamment vis-à-vis de... Oui, bien sûr. C'est pas parole d'évangile toujours, hein. Une parole d'un confrère qui dit qu'il se sent appelé à telle et telle manière de vivre. Pourtant, c'est une manière de vivre qui a aussi sa place dans l'idéal franciscain, et notamment dans la manière capucine des capucins. Mais bien sûr, on craint toujours qu'un confrère ne pense de singulariser, mais de faire un peu ce qui lui plaît. Alors, on entendait certains confrères faire ses réflexions, hein, ça c'est vrai. Hein. Mmh. Lui, il fait ce qu'il veut, il a toujours fait tout ce qu'il veut. Hein. Le fait, c'est qu'il a tenu. Hein. Peut-être que parfois il m'envie. Ça peut être quand même bien d'avoir quelques jours de repos, de solitude. Oui, mais pas plus loin. Aucun d'eux n'est venu me rejoindre là-haut, même pas pour une semaine. La montagne, si austère qu'elle soit, il y a toujours aussi une notion de refuge, d'un endroit où finalement on est à l'abri du monde. Oui, oui. Mais d'autre part, la montagne est assez exigeante. Je dirais, c'est un refuge exigeant. Non. Je n'ai pas l'impression que la montagne soit un refuge. J'aurais peur que refuge soit comme fuite. C'est ça qui me fait un peu hésiter. Il ne faut pas fuir. Il faut chercher un peu plus loin, un peu plus haut, mais ne pas fuir. Quand je suis venu ici, ce n'était pas par fuite. Ici, dans la vallée, plus on m'ignorera, mieux ce sera. Et c'est à peu près le cas. Ils savent, bien des gens savent que je suis ici, ils connaissent ces lieux parce que surtout les plus anciens, ils sont venus ici avec le bétail, avec les chèvres, mais sans plus. Et en même temps, à travers la télévision, vous allez être connu de milliers de personnes. Oui et non. Oui et non. La télévision est tellement rapide. Et puis, à peine une image ou une séquence faite, il y en a une autre qui court. Oui. Mais c'est vrai qu'on m'a reconnu de par la télévision suisse. On m'a reconnu une fois ou l'autre, comme ça. On dit, oh, on vous a vu. Mais personne ne m'a dit, vous avez dit ça et ça. On vous a vu, c'est bon. Donc, c'est... Ce n'est pas trop grave. Oui. J'aurais davantage peur des revues. Des illustrés. Parce qu'alors, l'image reste, l'illustré reste sur la table, en plus, le passé, oui. Mais bien sûr que l'illustré touche beaucoup moins de monde que la télévision. Bon, la télévision française ne m'a pas inquiété, parce qu'elle ne m'apportera pas des clients.
on me dit, ah, alors, bonnes vacances quand je monte. Les vacances, c'est autre chose ici. C'est, si on veut vivre loyalement cette vie, c'est astreignant. L'activité spirituelle, c'est l'activité supérieure de l'homme. Et c'est plus facile de retourner la terre que d'écrire un livre. Ouais. Et alors, la vie spirituelle demande aussi des forces physiques. Voilà. Vous avez écrit, je crois, 2 fois. Eh bien, j'ai eu le privilège de faire 2 livres parce que je disposais de temps. J'en avais attaqué un troisième qui est tombé à l'eau à cause de ma santé. Un sur les psaumes et un autre sur la méditation. Voilà. Sur la méditation, il y a eu, Dieu merci, une édition italienne, allemande et espagnole. Une réédition. Alors je peux me taire et le livre parle. C'est un grand privilège. J'aime bien dire qu'il y a des visites que je n'ai jamais refusées, c'est les lettres, la correspondance. Parce que, et je me donne de la peine pour répondre, pas seulement d'une manière globale, mais aux différents problèmes d'une lettre. Une lettre est une visiteuse, disons un visiteur, silencieux et patient. Il peut attendre 1 semaine, 2 semaines avant d'avoir une réponse. Il est bien dans le cadre d'un ermitage et dans le silence. Oui. Et de quelle nature est cette correspondance ? Bien, elle est amicale, parce que je n'ai quand même pas perdu tous mes amis. Mais en général, on sait très bien que je suis ici d'abord pour Dieu, et alors on respecte et on s'adresse plutôt à moi pour des choses personnelles, intimes, spirituelles. C'est-à-dire pour des conseils ? Je n'ai pas attendu d'avoir un grand âge pour savoir que les conseils, c'est la meilleure manière de perdre son temps. Personne n'accepte un conseil. Tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience, ou positive ou négative, conseiller, c'est perdre son temps. C'est l'expérience d'un vieil homme. Comment est-ce que vous définiriez le rôle d'un ermite aujourd'hui ? Il y aurait peut-être... je dis peut-être, je ne voudrais vraiment pas mettre en valeur. Il y aurait peut-être ce témoignage de la transcendance de Dieu. C'est une expression un peu abstraite. Ce témoignage que Dieu est, qu'il est réel et qu'il suffit et qu'il a droit à toute notre vie. Un deuxième rôle... Alors celui-là est beaucoup plus intérieur et caché. C'est le rôle de la prière et de l'intercession. Je prie, je supplie, je suis là pour les autres aussi, bien sûr, à travers l'intercession. Mais où voir le résultat ? On est dans le domaine de la foi, le domaine invisible. Voyez la nappe phréatique. Elle est cachée, elle est parfois très profonde, mais c'est elle qui permet au monde de vivre, parce que sans cela, simplement l'eau de pluie ne suffirait pas. Donc, et ici, en hiver, il n'y a pas un flocon qui fond, et le ruisseau, juste ici à côté, le petit ruisseau, c'est pour ça que cet ermitage s'appelle l'ermitage de la source, c'est une source. Tout l'hiver, elle donne. Donc, ça vient des profondeurs cachées et silencieuses. Alors, j'aime me représenter ma vie un peu comme une nappe phréatique et qui, j'espère, désaltère un peu ce monde assoiffé.